182 millions de bénéfices, ok, voilà. 366 millions de bénéfices, ok, voilà. 194 millions de bénéfices, ok. Grâce à cette option que je ne peux pas vous révéler dans cette vidéo, ok. Donc vous pouvez bien le voir, ok, voilà. Cette option-là me permet de gagner des millions de francs CFA, ok, voilà. Par mois, ok, sur Betuner, voilà. Grâce à l'option OG, les gars, je me fais énormément d'argent grâce à cette option, ok. Donc regardez par vous, les gars. Le premier coupon a été validé, ok. Une cote de 1,82, voilà, OG. Ça a été validé avec succès, les gars. Là, j'ai mis la somme de 100 000. Okay. Le deuxième coupon, ok, pareil aussi, a été validé aussi. Okay. Vous pouvez bien le voir là, 200 000. Voilà, j'ai eu un truc de 366 millions de bénéfices. Okay. Le troisième coupon, ok, voilà, le code 1,94, qui a été validé avec succès, les gars. Voilà, vous pouvez bien le voir là. Je ne fais que gagner grâce à cette option. Okay. Même le quatrième coupon, le cinquième coupon a été validé. Okay. Une code de 4, les gars. Là, j'ai mis 200 000. Okay. 2 600 000. Et ça a été validé avec succès, les gars. Okay. Voilà. Donc cette option-là m'a permis de gagner énormément d'argent. Okay. Moi, personnellement, je me suis rechargé plus de 100 000 francs CFA. Okay. Et actuellement, je suis à 14 millions de francs CFA okay, grâce à cette option-là. Donc c'est très important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Okay. Si tu connais l'option, si tu connais l'astuce qui me permet de gagner des millions de francs CFA par mois, okay, je suis betting, okay, grâce à l'option hors jeu, les gars. Okay. Donc vous pouvez bien le voir là. Voilà. Je ne fais que valider seulement grâce à cette option. Okay. Je ne fais que valider seulement. Vous pouvez bien le voir. Voilà. 3 matchs, ça a été validé. Ok, voilà. 4 matchs, ok, ça a été validé avec succès, les gars. Voilà. Donc, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Ok, je vais vous montrer où vous pouvez trouver l'option et comment vous pouvez faire énormément d'argent grâce à cette option. C'est très important, les gars. Et vous pouvez bien le voir là. Ça m'a personnellement permis de gagner plus de 4 millions de francs CFA. Okay, voilà. Gagner et retirer, les gars. Et actuellement, je suis à 14 millions de francs CFA. Okay. Je suis bête une, ok. Et c'est en grande partie grâce à cette stratégie que je ne peux pas vous révéler dans cette vidéo, ok. Donc passons aux décisions. Donc là, pour l'exemple, je prends le match de Tottenham vs Aston Villa pour vous montrer, voilà, l'option et l'exemple et comment vous pouvez faire énormément d'argent grâce à cette stratégie, ok. Donc là, on va cliquer sur le match de Tottenham vs Aston Villa, Arsenal plutôt. Donc là, vous allez aller dans la partie hors jeu, ok. Voilà, hors jeu. Voilà. Une fois dans la partie hors jeu, vous allez aller dans la partie hors jeu premier mi-temps. Hors jeu premier mi-temps. S'il vous plaît, l'équipe. Voilà, si vous voulez liker la vidéo, commenter et partager la vidéo, ok. C'est votre façon en vous de m'encourager, ok. Voilà, moi je vous demande rien, c'est juste de liker la vidéo et de partager la vidéo, ok. Voilà, ça m'encourage vraiment, ok. Donc, liker et partager la vidéo, ok. Donc, continuons la vidéo. Donc, une fois dans la partie hors jeu premier mi-temps, là il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, ok. Voilà, ici on parle de victoire de l'équipe 1, voilà, c'est-à-dire Tottenham, voilà, en hors jeu à la première mi-temps, victoire de Arsenal en hors jeu à la deuxième mi-temps, ok. Là, un is, voilà. Un is Arsenal de Tottenham, deux is Arsenal qui est au milieu de la double chance, ok. Voilà, je précise bien en hors jeu, voilà. Donc c'est la partie double chance qui va nous intéresser, voilà. C'est la partie double chance qui va nous intéresser. Mais avant de prendre la partie double chance, cette partie là, on doit d'abord analyser le match, ok. Je vais vous montrer comment analyser le match, ok, pour ne pas perdre notre argent, ok. C'est très important, ok. Donc là, vous allez sortir carrément de ce jeu là et vous allez aller chercher l'application SofaScore, les gars. Une fois que vous êtes dans l'application SofaScore, ok, donc là, on va chercher le match de, voilà, de Tottenham vs Arsenal, ok. Donc, voici ce match-là, on va cliquer là-dessus, ok. Donc, là, on va aller dans le, un match, on va descendre et on va analyser les trois dernières rencontres, ok, okay, entre Tottenham et Arsenal, et c'est très important. On va analyser les trois dernières rencontres, ok. Donc là, on va cliquer sur le premier match, ok. Sur le premier match, on vient dans la partie statistique, ok. On va partir hors jeu, ok. Et on descend là. Première mi-temps hors jeu. On voit là que. Voilà, dans ce match-ci, à la première mi-temps, ok. Il y a eu. Voilà, il y a eu 12 chances, ok. Il y a eu 2-1, ok. Voilà. Donc on sort, c'est déjà bon. On va chercher le deuxième match, ok. Voilà. Statistique, ok. Voilà. Première mi-temps, on descend hors jeu. On voit là, il y a eu 1-0, ok. Voilà. Il n'y a pas eu de match en hors jeu à la première mi-temps, ok. Donc c'est déjà bon. On prend le troisième match, ok, pour vérifier, ok. Voilà. On descend encore. On revient là, on va prendre premier mi-temps. Premier mi-temps, voilà, okay. Là encore, il y a eu 2-1, ok, voilà, toujours 2 chances, ok. Alors, une fois que vous avez vérifié les 3 matchs, vous voyez ça, ok, voilà, il n'y a pas eu de match, ok, dans les 3 dernières rencontres, ok, voilà, en hoge à la première mi-temps, vous sortez carrément et vous revenez dans l'application, voilà, Betuner, et vous prenez cette option automatiquement, ok, voilà. C'est-à-dire, à la première mi-temps, il n'y aura pas de match en hoge, ok, voilà, vous prenez ça, et on va. Faites pareil, vous faites pareil avec le deuxième match, ok, voilà, le deuxième match aussi. Donc là, je viens là, au jeu, voilà. Et là,
Okay. Donc là, je vais prendre un troisième match, ok? Le match de Borussia Dortmund, voilà. Donc là, je viens dans la partie hors jeu. Voilà, premier mi-temps, ok? Deux chances, ok? Donc là, je sors carrément, je viens analyser. On va analyser un deuxième match, ok? Juste pour que vous compreniez, ok? Donc là, on va aller dans la partie, voilà. Allemagne. Mönchengladbach vs Union de Berlin. Okay. Vous allez là dans la partie match, okay, vous descendez, vous analysez les trois dernières rencontres, vous pouvez bien voir les trois dernières rencontres. Okay. Voilà. Voilà, ces trois matchs, on va analyser ces trois matchs à pouvoir. Okay. Voilà, donc là on va cliquer sur le premier match, excusez-moi. Le premier match, statistique, ok, premier mi-temps. On vérifie là qu'en premier mi-temps, voilà, il y a deux chances, ok, voilà, il n'y a pas eu de match en hors-jeu, ok, voilà, on prend le deuxième match, voilà, premier mi-temps, on vérifie là, on voit que là, il y a eu deux, l'autre a eu zéro, ok, voilà, il n'y a pas eu de match, ok, là, on prend le dernier match, ok, voilà, toujours dans statistique, premier mi-temps, on revient là. Et là encore, il y a toujours deux chances. Okay. Donc, quand vous vérifiez, vous prenez trois matchs. Vous voyez que là, il n'y a pas eu de match nul okay, à la première mi-temps. Okay. Voilà, en hors-jeu, je précise bien en hors-jeu. Okay. Vous sautez carrément et vous entrez dans l'application. Automatiquement, vous prenez cette option 1,40. Okay. Donc là, ça nous fait déjà une cote de voilà, 1,74. Okay. Donc là, je vais prendre un dernier match. Okay. Voilà. Moi, je vous conseille de vous arrêter là. Okay. Mais si vous voulez aller plus, voilà, si vous voulez augmenter la cote, okay, vous prenez trois matchs au maximum. Voilà, sinon moi je prends deux matchs, ok, mais si vous voulez aller plus, vous prenez au maximum trois matchs, ok, voilà. Donc là, je vais prendre le troisième match, ok, voilà. Et voilà, et vous venez là, oh, je vous clique là, sélectionnez, ok. Et là, ça nous fait une cote de 2,34, les gars. Mais les gars, attention, c'est très très important, les gars. Si vous voulez avoir un compte betting authentique et professionnel à vie, un compte n'a ni problème de dépôt et de retrait. Un compte qui va vous donner plus de chances de gagner au jeu endgame, c'est très important les gars de vous déconnecter de l'ancien compte et créer dès maintenant un nouveau compte avec le code promo B45 en grand caractère qui s'affiche à l'écran, okay. Parce que c'est ce code promo là qui va rendre votre compte Betuner authentique et professionnel à vie. Après ça, vous n'aurez plus besoin de créer un autre compte encore parce que votre compte sera déjà authentique, ok, grâce au code promo B45. C'est très important, okay. Donc allez-y tous vous inscrire sur Betuner avec le code promo B45 en grand caractère qui s'affiche à l'écran, c'est très important, okay. Donc après avoir fini d'analyser tous vos matchs, okay, vous placez votre pari. Okay. Donc là, moi, j'ai placé mon pari sur ce match-là. Voilà, 300 000 francs, 3 euros. Okay. Voilà. Vous pouvez bien le voir, mon pari a été placé. Voilà, sans problème, les gars. Okay. Donc les gars, n'oubliez pas, les gars, c'est très... vous suivez la même procédure que moi. Okay. Vous faites les mêmes choses, vous faites les mêmes analyses. Okay, et vous validez votre pronostic, okay, sans problème, les gars. C'est très, très important, les gars. Okay. Voilà. Dans l'équipe, c'était l'astuce que je voulais vous montrer. Okay. Voilà. C'est une astuce qui marche hyper bien. Voilà, très, très rentable. Okay. Et vous pouvez faire des millions de francs CFA par mois grâce à cette astuce, ok, voilà. Mais n'essayez pas de combiner trop de matchs, ok. Donc prenez au maximum de 2 à 3 matchs, ok, grand maximum 3 matchs, ok, voilà. Faites votre part et vous mettez votre argent là-dessus sans problème, ok, voilà. C'était Walter pour nous, à plus.